on va parler de Romain Ntamack. Ce jeune ouvreur, comment est-ce qu'il a fait pour s'imposer en tant que patron dans le 15 de France? On est en France, c'est un pays où quand tu fais un bon match, on t'encense. En revanche, quand tu fais un mauvais match, on te désingue dans la presse et dans les commentaires. Ça ne semble pas juste vu comme ça, mais c'est normal. Quand tu joues à l'ouverture, tu fais partie de ces deux ou trois têtes pensantes de l'équipe qui doivent prendre des décisions, organiser le jeu, être un leader et qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons dans un match. Ce poste, il est si souvent exposé à la critique, à la pression médiatique et à l'opinion publique qu'on a eu beaucoup de mal à trouver ces dernières années, jusqu'en 2019, une charnière stable et fiable. On se demandait toujours qui allait être sur la feuille de match au poste de 9 et de 10. Je te parle même pas de titulaire ou remplaçant, simplement sur la feuille de match. J'ai une théorie pour expliquer ce manque de stabilité. Là où d'autres nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, ils avaient beaucoup moins de mal à trouver des ouvreurs fiables et stables, une stabilité et une continuité dans leur façon de jouer, nous, on avait beaucoup de mal. Premièrement, techniquement, tu dois être propre. Tu as beaucoup de passes à faire, tu as le jeu au pied et tous les ballons ils passent par toi. Une mauvaise passe, ça met tes partenaires en difficulté. Un mauvais jeu au pied, ça donne des opportunités à l'adversaire. Et en plus, tu t'exposes sur les duels aériens. Deuxièmement, tactiquement, tu dois être très bon. C'est-à-dire que tu dois être capable d'analyser très rapidement une situation pour faire le meilleur choix possible. Tu as beaucoup, beaucoup d'informations à traiter. Troisièmement, stratégiquement, évidemment, tu es une tête pensante de l'équipe. C'est-à-dire que c'est à toi de prendre des décisions stratégiques à des moments sur le match pour savoir comment est-ce que tu vas mener tes hommes. Et quatrièmement, tu dois être un leader. En fait, tu dois être plus technique, plus tactique, stratégique et tu dois être un leader par rapport à tes partenaires. Ça fait beaucoup quand même. Et le problème, c'est que tu reçois exactement la même formation que tes partenaires. Tu participes aux mêmes séquences d'entraînement, tu fais les mêmes exercices. Par contre, on est beaucoup plus exigeant avec toi. J'ai eu cette impression, c'est que pendant trop longtemps, ces joueurs de la charnière, ils recevaient exactement la même formation que tous les autres joueurs. Alors évidemment, c'est des postes, je pense que tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la volonté individuelle et une propre volonté de travailler plus que les autres. Mais j'ai quand même cette impression, c'est que la formation en structure dans les clubs, elle est quand même meilleure qu'avant, où maintenant on s'attache à cette formation au poste des joueurs sur des postes qui sont vraiment stratégiques. En tout cas, avoir plusieurs 10 de niveau international et avoir des débats pour savoir si tu es Ntamack ou Jalibert, moi je trouve ça top. Allez, c'est parti, mais avant de commencer, si t'es pas encore abonné, c'est le moment où tu vas t'abonner et tu mets le petit pouce bleu et je t'embarque dans le monde fascinant de l'Ovalie. Romain Ntamack, franchement, on a l'impression que c'est un daron. Pourtant, il est né en 1999 et il n'a que 24 ans. Il commence le rugby à 5 ans dans le club de cœur de son père, le Stade Toulousain. Il va suivre une formation classique au Stade Toulousain, enfin classique, mais il a quand même des belles réussites, c'est-à-dire qu'il a été champion de France cadet en Alamercerie en 2015. C'est pas tout le monde qui est champion de France. Enfin, classique, pas tant que ça. Il a quand même été surclassé en équipe de France U17. La complexité pour un joueur comme Romain Ntamack de se faire sa place dans le milieu, c'est que tu es quand même fils de Émile Ntamack. Et oui, être fils d'eux, c'est pas toujours quelque chose qui est évident à porter. Ça ouvre souvent des portes dans le milieu professionnel, social, et ça donne souvent le droit à des passe-droits d'être fils d'eux. Tu as sûrement déjà dû croiser des gens qui obtiennent, non pas par leurs compétences, leur travail ou leur assiduité, des promotions ou des facilités par rapport à d'autres qui bûchent. Prenons un exemple concret. Moi, j'adore les exemples concrets. Tu te fais voler ton scooter, tu vas le déclarer à la police, tu vas le déclarer à ton assurance, et puis tu vas remplir des petits formulaires où on va dire « on va faire le maximum pour pouvoir retrouver votre scooter, monsieur ». Entre-temps, la plaque d'immatriculation a alors été changée et, à mon avis, tu ne le reverras jamais, ton scooter. Bon, eh bien, si tu es fils d'eux, c'est quand même un petit peu plus facile. On va le retrouver, ton scooter, il suffit juste de prélever de l'ADN sur la scène là où il a été volé et on te le retrouve un petit peu plus tard. Franchement, c'est quand même cool d'être fils d'eux. Tu t'imagines une seule seconde que pour retrouver ton scooter volé, quelqu'un va faire un test ADN? Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Eh bien, je ne sais pas si Romain, il a eu les mêmes avantages, mais une chose est certaine, c'est qu'il a été surclassé avec l'équipe de France U17 et un petit peu plus tard, il a été doublement surclassé avec l'équipe de France U20. Tu es doublement surclassé, ça veut dire que tu es un minot, tu dois avoir 17 ans, tu joues avec des darons qui ont 19 ans, parce que 2 ans d'écart en termes de maturité physique et de maturité dans le jeu, c'est énorme à cet âge-là. À 19 ans, il y a déjà des mecs qui ont signé leur contrat pro et qui jouent en top 14 ou en pro D2. Toi, tu as 17 ans, tu es en crabos. Et ça, c'est quelque chose, même lui, il en a parlé. Je sais que j'ai bossé plus dur que les autres, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en être là. L'été, quand certains partaient en vacances, j'allais courir sur le terrain, faire de la musculation et du gainage. Parce que mon but était d'arriver en haut. Je voulais prouver à tout le monde que si j'y parvenais, c'était grâce à mon travail et pas à mon nom. C'est exactement le message du livre d'ailleurs. Quand on vit quelque chose, il n'y a qu'une seule voie, celle du travail. Le 9 juin 2017, il y a Guy Noves, qui est sélectionneur du 15 de France à cette époque-là, qui fait une annonce que moi je trouve un petit peu dérangeante. Romain Ntamack va faire partie de la liste élite qui protège les joueurs du 15 de France. C'était une convention à l'époque qui te permet
permettait de limiter le temps de jeu des internationaux, puisque le calendrier est ultra chargé, de manière à les protéger. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que lorsqu'il est nommé dans cette liste, il n'a pas joué un seul match de top 14. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas fait un seul match de top 14 et on le protège déjà au niveau international. Mais je suis pas d'accord, faut faire tes preuves en top 14. Il y a du monde quand même en top 14, le niveau il est relevé. Quand tu passes de Krabos à top 14, il y a quand même un gap. Perso, ça me dérange. Et je trouve ça très difficile de ne pas prendre le melon quand tu te retrouves dans cette situation. T'as 17 ans, t'as pas joué un match de top 14 et on t'annonce que t'es protégé pour jouer en équipe de France. Comment tu fais pour rester les pieds sur terre ? Je n'ose pas imaginer la charge émotionnelle que tu reçois à ce moment-là. Il fait partie de ces joueurs qui ont été encensés très vite sur du très haut niveau et un avenir très prometteur. On était tous en train de chercher notre charnière ou notre 10 qui va faire les 10 prochaines années. On l'avait plus depuis longtemps et donc du coup on avait tendance à encenser les jeunes assez rapidement. Et le problème c'est que si tu prends le melon, tu peux très vite redescendre sur terre. Et je pense que c'est la question que tout le monde s'est posée. Est-ce que Romain Ntamack, ça va être l'ouvreur de la prochaine décennie ou est-ce que c'est un joueur lambda qui va prendre le melon et qui va vite redescendre sur terre? Parce que perso, moi je l'attendais ce patron. Il jouera son premier match en top 14 le 30 septembre 2017. Et en 2018, il va jouer le tournoi destination en U20. Comment est-ce que tu peux te sentir quand on te fait miroiter la France A, puisque t'as été sur la liste, et qu'on va te faire redescendre en France U20? À mon avis, il a dû fournir un travail énorme pour montrer qu'il était au-dessus en U20, qu'il méritait sa place en top 14 et qu'il ne volait rien à personne, que c'était pas parce que c'était le fils d'eux. Pour le premier match du tournoi, il est titulaire et il inscrit un doublé. Ils vont remporter le tournoi, puis le championnat du monde junior, et à ce moment-là, il va jouer 12 avec Carbonel à l'ouverture. Je pense que Romain, il a été très bien accompagné par les staffs à Toulouse et en équipe de France pour garder les pieds sur terre et devenir le joueur humble qu'il est aujourd'hui. Attention, humble, ça veut pas dire ne pas être sûr de ses forces. Sur sa première saison en pro, il ne jouera que 6 matchs de top 14 et 5 matchs de challenge, avec la moitié en tant que remplaçant. Je trouve cet accompagnement d'un jeune talent progressif simplement génial pour le faire éclore. T'es pas en train de l'exposer directement au top 14, ouais c'est le futur patron, il va jouer tous les matchs, etc. Oh, doucement. Le minot, il a 18 ans, laisse-le croquer progressivement, prendre confiance. Et lors de la saison 2018-2019, il démarre vraiment en pro. 33 feuilles de match, dont 5 avec l'équipe de France A. Même s'il est bon, il n'a pas la stature d'un cadre encore. Lors de l'élimination contre le Leinster en demi-finale de la Champions Cup avec Toulouse, il est remplaçant. Lors de la victoire en finale de top 14, il est remplaçant. Et la saison suivante, 2019, c'est la Coupe du Monde, et là, c'est devenu un patron. Il joue dans la saison 24 matchs, et fait intéressant, il en joue 12 avec Toulouse et 12 avec l'équipe de France. À partir de là, sa carrière, elle est lancée. Et maintenant, on va parler du profil du joueur. Du coup, pourquoi est-ce que Ntamack, il est fort? Quelles sont ses qualités? C'est quoi son profil à lui? On va s'intéresser à ses qualités, et à mes yeux, c'est les qualités qui font qu'aujourd'hui, il est au-dessus sur ce poste-là. Il mesure 1m86 et il pèse 86 kg. Et un facteur important à mes yeux, c'est le caractère héréditaire des qualités physiques. Et ouais, on peut être fils d'eux et avoir quand même certains avantages. Évidemment, si tes parents sont grands, tu le seras probablement. Tu le vois avec le fils de Skelton, il est déjà grand et quand tu vois son fils, ma. Et si tes parents courent vite, tu auras sûrement des prédispositions génétiques pour courir plus vite. Je suis même tombé sur un article internet qui indique que selon certaines estimations, 60% de nos capacités sportives seraient héritées génétiquement de nos parents et pour les 40% restants, c'est l'entraînement qui serait décisif. Ça reste un article internet et on ne connaît pas forcément les sources. Mais si tu prends Emil Ntamack, son père c'était un athlète vraiment véloce. Je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais franchement il avait la classe. Alors j'ai cette impression que Romain Ntamack a hérité d'une partie des qualités de son père. Il a une explosivité impressionnante. Il y a des actions que j'ai en tête sur lesquelles il est capable de rebondir sur les joueurs pour générer de l'avancée. Et une autre des qualités que j'apprécie chez lui, c'est que il a cette capacité à accélérer très fort à des moments pour pouvoir attaquer la ligne. Tu vois les moments dont je parle? Ceux où tu penses qu'il n'y a pas de décalage. Et il prend un intervalle que seul lui a vu. Hein. Nous, on le voit pas. On regarde le match, on se dit, mais il est où cet intervalle? Comment il a fait pour se faufiler et passer? Alors, il faut pas se leurrer. La vitesse, ça fait pas tout. Il a une capacité d'analyse situationnelle qui est plus rapide que la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Il connaît tous les principes de jeu, les systèmes. Bref, il est au point sur la compréhension du rugby pro. Normal, c'est un pro. Comme tous les joueurs, tu vas me dire. Exactement. En revanche, quand on a des athlètes qui ont à peu près les mêmes physiques, la même vitesse, qui a les mêmes systèmes de jeu, la capacité d'être efficace, elle va se faire sur son temps de réaction, sur la capacité qu'on va avoir à réduire et à compresser ce temps de réaction. Le temps de réaction, qu'est-ce que c'est? Tu perçois une information. Par exemple, là, moi, j'ai mon doigt qui bouge. Quand mon doigt est en train de bouger, je perçois l'information avec les yeux.
ça remonte au cerveau, c'est en train d'être traité dans le cerveau et mon cerveau me dit il faut que tu attrapes le doigt. Ça, c'est le temps de réaction. Et en fait, tu peux compresser ce temps de réaction et ce qui va faire la différence à très haut niveau, ça va être la capacité analytique des joueurs à compresser ce temps de réaction pour faire le meilleur choix possible en fonction des informations qu'ils vont percevoir. On va reprendre des exemples de franchissement de Ntamack et tu vas comprendre. Au rugby, tu essayes en permanence de trouver ce rapport qualitatif en opposant un fort à un plus faible ou un rapide à un plus lent. Et Ntamack, une de ses capacités, ça va être sa faculté à apercevoir et à percevoir quand il va y avoir des profils plus lents qui vont se retrouver en face de lui sur lequel il va avoir un rapport qualitatif et il va pouvoir le déborder en mettant plus de vitesse. Et il y a beaucoup de breaks de Ntamack qui interviennent dans ces situations où quand il s'aperçoit qu'il y a un avant qui est en train de circuler et qui va se retrouver face à lui, il va pouvoir attaquer cet avant à condition que le N plus 1 en défense soit monté par exemple, soit pour couper les extérieurs ou soit déjà en train d'anticiper pour contrôler. Et ça, c'est sa plus grande force et cette capacité analytique de traitement, c'est pas tous les joueurs qui l'ont. Bien sûr, il faut avoir les qualités physiques pour pouvoir déborder, mais au bout d'un moment, au niveau professionnel, ils ont sensiblement la même vitesse à quelques détails près, mais Romain Ntamack, il a cette capacité à percevoir en fait ses rapports qualitatifs et à les exploiter très rapidement. Et là, on parle uniquement des qualités perceptives et décisionnelles. En un minimum de temps, prendre les informations pertinentes, les traiter et apporter la réponse et la solution que tu trouves adaptée. Mais avant tout ça, Ntamack, c'est un monstre de travail. De toute façon, pour jouer à ce niveau-là, tu as deux solutions et qui sont forcément un petit peu complémentaires. Soit tu as des qualités physiques hors normes, mais genre t'es un ovni et évidemment ça aide. Tu vois Neafou qui arrive en top 14, il n'est pas spécialement affûté, mais c'est tellement un Golgoth le mec qu'il est capable de casser la gueule à tout le monde que bien sûr qu'il est invité à ce niveau-là de jeu et ce niveau d'intensité. Et la deuxième, c'est qu'il faut être une brute de travail. Eh bien, Romain Ntamack, je pense qu'il a cette rigueur que la nouvelle génération, elle apporte. Les nouvelles générations, j'ai quand même l'impression qu'elles sont mieux préparées à accéder au rugby pro et aux potentielles dérives qu'il peut y avoir quand t'es dans le rugby professionnel. Il faut bien que t'aies conscience d'une chose, c'est que ces mecs qui arrivent là, les jeunes, ils ont tout sacrifié pour arriver à ce niveau-là. Je m'explique. T'as sûrement joué au rugby aussi. Tu as suivi les programmes physiques d'intersaison où tu te disais « Ok, je vais être en forme pour la rentrée, je vais me préparer un petit peu. » Et oui, ça va te demander 3, 4, 5 heures dans la semaine de te préparer. C'est normal. Le rugby, c'est un sport physique et c'est exigeant. T'es obligé de te préparer si tu veux être bon. Mais t'avais une vie à côté. Tu sortais, tu voyais des gens, t'avais d'autres choses, tu partais en vacances. Et bah pour lui, je suis pas sûr. Pendant l'année, t'étais en pôle espoir. T'es en structure où t'as tes entraînements le matin avant les cours, t'as des cours et puis t'as des entraînements l'après-midi. Le week-end, tu joues au niveau national, donc tu vas te déplacer partout en France. Et tu vas me dire, ouais, mais tu joues pas tous les week-ends. Évidemment, heureusement que tu joues pas tous les week-ends. Mais quand les autres y jouent pas, toi, tu vas avoir les sélections départementales, régionales, intersecteurs, puis les sélections France. Puis tes phases finales avec le club. Ah ouais, mais t'as les vacances d'été. Ah ouais, mais non, parce que si t'es en stage avec les équipes de France, si t'es surclassé en équipe de France, il y a tellement d'attentes et tu as tellement toujours des choses à faire que tu as très peu de temps pour toi et pour développer quelque chose à côté du rugby. Et en plus, t'es surclassé, t'as pas le droit de passer à côté, t'es le fils d'eux. Il y a deux options, soit tu te dis « Ok, je suis le fils d'eux et je me la poule douce », ou alors tu te dis « Non, je sais pas parce que je suis le fils d'eux que je suis ici, c'est parce que je le mérite ». Et à 18 ans, tu bascules en top 14, tu les oublies, les vacances d'été, la saison en plus Toulouse allait pas très bien à cette époque-là. En fin juin ou la première semaine de juillet, t'es mis sur le devant de la scène, tu gagnes des titres avec le championnat du monde des U20. À quel moment t'as profité de ta jeunesse? À quel moment t'es sorti faire des brins, t'as rencontré des gens en dehors du milieu du rugby? C'est rare. Et puis l'exigence veut qu'il y a un rythme de match qui est quand même effréné. Tu dois prouver. Si tu picoles trop, eh ben, tu vas mettre du temps à t'en remettre. Tu vas avoir des contre-performances. T'as pas envie d'avoir des contre-performances. Si t'es là, c'est que t'as envie de réussir. Donc tu donnes tous les moyens pour pouvoir réussir. Avant, je pense que les bringues, elles étaient plus nombreuses, mais le rugby moins exigeant, moins professionnel sûrement. Certains joueurs n'étaient pas forcément préparés à cette dure réalité, et lorsqu'ils décompressaient, ils se mettaient les quatre fers en l'air après les matchs. Je pense que les jeunes générations dont Romain fait partie ont les pieds sur terre avec des objectifs qui se sont fixés et qui sont clairs, et ils mettent les moyens pour les atteindre. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Les mecs, bien sûr qu'ils doivent bringuer, mais ils le font peut-être moins souvent, et avec un tout petit peu plus de contrôle, sauf quand tu gagnes le top 14. Et ça m'amène au point suivant. Romain, j'ai un peu l'impression que c'est le Sam de l'équipe. Quoi, Romain, c'est le Sam de l'équipe? Tu connais Sam? Celui qui ne boit pas quand tu sors en boîte et qu'il faut ramener les autres en voiture à l'arrière qui sont déglingués. Le mec qui se dévoue pour que les autres puissent se la coller. Eh bien, Romain, c'est un peu le Sam de l'équipe pour moi parce qu'il a cette sobriété que tous les 10 n'ont pas.
Un numéro 10 dans une équipe, c'est le maître à jouer. Tous les ballons passent par lui. Tout le monde attend beaucoup de lui. Tes partenaires qui doivent croire en toi. Si t'es 10 et que t'as pas la confiance de tes partenaires, change de poste, mon pote. Ton entraîneur qui va échanger avec toi sur le game plan pour pouvoir préparer les matchs, il te fait confiance. C'est avec lui aussi que tu construis. T'essayes de trouver des solutions pour rendre l'équipe plus efficace et plus performante. Les supporters, à ce niveau-là, on attend que tu sois exceptionnel à tous les matchs. Eh bien, moi, je vais peut-être te choquer, mais je suis pas d'accord. Un 10, il doit être sobre. T'as un match à gérer et tu feras pas la différence sur tous les ballons que tu vas toucher. C'est pas possible, ça existe pas. L'objectif, c'est que tu vas mettre ton équipe dans une situation confortable, offrir des opportunités à tes partenaires grâce à tes qualités techniques et de lecture de situation. Et parfois, tu vas prendre des initiatives. Et ces initiatives que tu prends, si tu te rates, tu vas te faire enterrer vivant par tout le monde. Et quand tu les réussis, tout le monde crie au génie et se demande pourquoi tu ne le fais pas plus souvent. Pourquoi le Sam de l'équipe? On a l'impression que Romain, il a cette capacité à garder son sang-froid en permanence. Il va par moments avoir des ballons très compliqués à gérer. Vraiment très compliqués sur lesquels tu vas prendre une pression monstre. En troisième rideau, par exemple, après un jeu au pied, où tu vas te retrouver avec des défenseurs qui montent très vite quand t'es premier réceptionneur. Et il faut réussir au rugby à faire des choses très simples comme garder la possession de la balle parfois. Personne ne t'acclame quand tu réussis à simplement garder la possession en concédant du terrain. Et pourtant, c'est pas facile. Tu t'imagines quand même que le 10, c'est une cible pour toutes les équipes. Ton objectif en match, c'est quand même de laisser le moins de temps possible au 10 pour s'organiser et avoir des choix. Tu cherches à lui mettre une grosse pression pour qu'il joue loin de la ligne et se contente de faire des passes ou de te rendre des ballons au pied. T'as envie de le faire sortir de son match, le 10. Eh bien, cette pression, on a l'impression qu'elle glisse sur lui. Il reste sobre. On a l'impression qu'il a cette faculté à garder la tête froide pour toujours avoir des choix lucides. Tu te souviens de ce match contre la Nouvelle-Zélande? Eh bien, après un jeu au pied, le ballon se retrouve dans l'en-but. Et là, c'est une situation qui est très compliquée. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est là où Ntamack est très fort, c'est qu'il a cette capacité à garder son sang-froid. Soit il a la possibilité de mettre un jeu au pied avec son pied gauche, mais tu mettras ton équipe en difficulté puisque le ballon va sortir approximativement, allez, on va dire entre 10 et 30 mètres de ta ligne d'en-but, ou tu vas tenter de ressortir la balle de l'en-but à la main. Et dans des situations de stress comme ça, il a cette capacité à garder son sang-froid pour faire le meilleur choix possible. Et c'est là où ça donne des actions qui sont vraiment extraordinaires. Alors, mis à part ses qualités athlétiques dont on a déjà parlé, c'est qu'il garde ce sang-froid et la tête froide pour faire le choix le plus lucide possible. Plutôt que d'aplatir la balle dans l'en-but et donner une mêlée à 5 à l'adversaire, ou de jouer au pied et de trouver une touche qui sera proche de sa ligne d'en-but et d'offrir une possession de balle à l'adversaire, il a cette capacité de vouloir ressortir à la main de son temps de but. Et ça, c'est dû aussi à la confiance qu'il a en lui, mais à la manière dont il travaille à Toulouse et avec le 15 de France. Et c'est là où c'est un joueur extraordinaire, c'est qu'il a cette capacité vraiment à garder son sang-froid pour prendre les décisions le plus rationnelles possible. Il vaut mieux à ce moment-là tenter de ressortir la balle à la main de l'en-but, quitte à se faire coffrer, et dans ce cas t'aplatiras, plutôt que d'aplatir instantanément. Si on reprend les statistiques de la finale de la dernière Coupe du Monde, André Pollard, le 10 sud-africain champion du monde, touche 23 ballons sur la finale. Sur ces 23 ballons, il effectue 9 passes, 5 courses et 9 jeux au pied. Et sur les courses qu'il a, c'est une moyenne de 13 mètres. Si tu comptes qu'il a remonté quelques ballons du champ profond après contre-attaque, ça fait pas énorme. Un 10, c'est le régulateur de l'équipe. Tu ne peux pas briller sur toutes tes prises de balles. C'est pas ton rôle. Par contre, quand tu fais, il faut être capable de le faire bien. Et ça, Romain, il le fait bien. Le jeu au pied de Ntamack, on en parle? On me dit dans l'oreille qu'il a pas la longueur au pied de Djaminé. Ok, je suis d'accord avec toi. Premièrement, je suis pas sûr que ça se joue à beaucoup de mètres de différence, hein. Peut-être 7, 8, 10 mètres. C'est pas non plus énorme. Et la différence, surtout, c'est que Ntamack, quand il va mettre des jeux au pied, il n'est pas forcément dans le troisième rideau. C'est-à-dire que autant Djaminé, il a le temps souvent d'ajuster ses coups de pied. Par contre, quand Ntamack prend la balle, c'est souvent des coups de pied sous pression. Et Romain, je pense qu'il a cette précision nécessaire sur le jeu au pied sous pression. Il est capable d'ajuster des passes au pied millimétrées. Et ça, c'est ultra important. C'est pas forcément la longueur qui compte, mais là-dessus, ça va être la précision. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que la position des espaces libres sur le terrain, c'est cartésien. Par rapport à la zone dans laquelle tu te situes, par rapport à l'équipe adverse, par rapport au principe de circulation défensive et de couverture du terrain, tu sais exactement où il y aura des espaces à attaquer au pied. Si c'est le cas, pourquoi tout le monde ne le fait pas dans le rugby pro? Ben, tout le monde essaye de le faire, évidemment. Mais la défense, elle essaye en permanence de rattraper ce décalage temporel. On laisse un minimum de temps aux 10 adverses pour pouvoir s'organiser et ajuster son coup de pied. Soit tu as beaucoup d'avance sur la défense et tu vas avoir le temps d'ajuster et l'espace libre sera énorme pour pouvoir faire une passe au pied. Soit tu es dans l'urgence et il faudra être d'autant plus précis et surtout tu vas prendre la grosse pression. Et tu t'exposes. Et bien pour moi, Romain, il a cette faculté à rester précis sur son jeu au pied malgré une forte pression. Et pour nous, ça nous semble presque normal en fait d'avoir des passes au pied qui sont millimétrées par notre ouvreur.
Son raffut à Romain Tamak, on en parle. C'était pas du tout prévu que je parle de ça, mais en regardant son jeu, je me suis quand même attardé sur cette capacité qu'il a à mettre des raffuts. Et je me suis rendu compte quand même qu'il avait un raffut de l'espace. Attention, c'est pas forcément le raffut qui va asseoir les mecs, hein. En tête, j'ai cette action à Twickenham sur le dernier crunch contre l'Angleterre où il explique à Farrell qu'il touchera pas la balle. On a l'impression que c'est un CM2 qui a piqué le goûter d'un CP, le CP qui vient pour essayer de récupérer son goûter et le CM2 qui lui dit: reste là, tout va bien se passer, je vais le manger ton goûter, mais tu l'auras pas, je suis plus grand, tu feras la même quand tu seras meilleur. Et il effectue ce geste avec une froideur, mais c'est impressionnant. Quelle humiliation pour Farrell, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. Si on reprend la plupart des breaks et des franchissements qu'il a, on va s'apercevoir quand même qu'il utilise souvent le raffut pour se débarrasser d'un défenseur. Évidemment, c'est normal, t'essayes d'éloigner la menace avec ton bras libre. On va pas se le cacher, mais quand tu couples ça avec le fait qu'il a cette capacité perceptive de choisir les intervalles qu'il va attaquer en fonction du défenseur qu'il a en face, qu'il arrive à éloigner le ballon et le défenseur est derrière qui fait vivre le ballon, c'est quand même beau. Est-ce que Romain Tamak il a de l'influence sur le rugby français et sur les jeunes? Et évidemment, je le pense, tu t'imagines combien il y a de joueurs, et peut-être toi même à l'heure actuelle, tu regardes Romain Tamak et tu regardes tout ce qu'il fait et tu dis waouh, il est fort là-dessus, moi aussi il faut que je sois capable de le faire. Et donc il va inspirer les gens, il va avoir cette capacité à être une idole pour les jeunes, où tout le monde se reconnaît en lui et tout le monde se dit mais moi il va falloir que je travaille si je veux un jour atteindre son niveau. Bien sûr, il va y en avoir des gens qui vont être inspirés et des jeunes joueurs qui vont être inspirés, des jeunes joueuses pour pouvoir essayer d'atteindre son niveau. Il y en a combien qui vont décortiquer toutes ces actions, qui vont regarder ce qu'il fait en se disant ok, moi aussi il va falloir que je réfléchisse comme ça, il va falloir que je prenne des petits skills qu'il a. Maintenant, s'il veut vraiment marquer l'histoire en France, il va falloir qu'il gagne plus de titres. Et surtout, là, il y a une échéance qui arrive. Et attention, je fais cette vidéo sur Ntamack parce que je trouve qu'il a pris une autre dimension. Notamment, là, il fait gagner Toulouse sur la dernière action. Et c'est ce que je dis, il brille pas pendant le match. Par contre, c'est un joueur, au bout d'un moment, il est capable de te sortir une action de classe extraordinaire. Et ça veut pas dire que Jalibert, il est pas bon, que Aston n'est pas bon. Bien sûr, je pourrais faire des vidéos sur eux aussi. Mais là, j'avais fait le petit focus sur Dupont. Maintenant, je te fais le focus sur Ntamack. Petite question, est-ce que tu penses que Ntamack sera capable de garder son sang-froid si t'es mené sur un match de phase finale de Coupe du Monde? Est-ce que tu le laisses jusqu'aux derniers instants comme en finale de top 14 où il te sort une action à 2 minutes de la fin pour aller marquer un essai? Ou est-ce que tu fais rentrer Astoy ou Jalibert pour pouvoir t'allumer des mèches et être un petit peu plus performant et surtout changer le cours du match? J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si t'as pas mis le petit pouce bleu et commenté, n'hésite pas à le faire tout de suite, sinon tu vas oublier. Et on se revoit bientôt. Allez topette!